vécu à Meulovienne. Bon, me voilà à Vienne. C'est le nouveau stop de ce périple après avoir fait Budapest, Bratislava et je te passe les villes d'avant. On est arrivé à Vienne et du coup je vais pouvoir en profiter pour aller découvrir la ville. Donc je voyage en train, je fais un interrail pendant un mois et je te fais une vidéo par jour de toutes les villes que je visite, comme ça, ça va pouvoir te permettre de visiter l'Europe avec moi. On va découvrir Vienne. Mais avant ça, je pense que tu commences à connaître. Café. Also nur ein Hafer Milch. Okay, zum Nehmen. Bon, c'est pas le plus beau café qu'on ait vu, mais il est là. Ah oui, aussi j'emmène ma paille partout parce que les pailles en carton ça s'abîme tout le temps. Donc voilà, j'ai ma petite paille rose. Bon, moins de chance sur le temps, du coup comme il pleut, on va aller manger. Bon, je suis à Demel, c'est une pâtisserie assez fancy, clairement genre ça coûte 7€ la part de gâteau, mais qui est hyper bonne et je suis venue là il y a 5 ans quand je suis venue à Vienne et ça fait trop plaisir de revenir. En fait, j'ai une amie d'enfance qui est à moitié autrichienne et du coup, j'étais venue ici quand j'avais à peu près 15 ans. J'avais fait quelques jours à Vienne et là, c'est un petit peu un remake de la dernière fois. Et voilà le festin pour seulement 25€. L'intérieur de la pâtisserie est trop belle avec tous les miroirs, les dorures et les moulures en style renaissance. Très fancy quoi. Donc on se balade dans le centre de Vienne avec tous les bâtiments baroques parce que Vienne, c'est un peu la capitale de ce genre de bâtiments baroques. Tu sais de quand ça date? Mais il faudrait qu'on visite un jour la bibliothèque. Ah, je suis dans un vlog voyage. On est au Stephansdom. Donc le Stephansdom, c'est la cathédrale principale de Vienne. C'est une cathédrale gothique. Et du coup, on retrouve de l'architecture gothique à l'intérieur. Alors j'ai voulu filmer un peu l'architecture qu'il y avait dans les rues, mais c'était pas facile. J'ai décidé d'aller courir et me voilà dans le parc du Belvédère. C'est un château baroque qui est super beau. Donc il est assez typique des châteaux autrichiens avec ce toit vert et les murs blancs. C'est vraiment un des endroits à ne pas manquer de Vienne. Donc le baroque c'est très symétrique. On a la première aile et la deuxième aile qui sont exactement les mêmes. Mais par contre on a toujours un jeu de profondeur. Et donc là par exemple on a la partie centrale qui ressort. Ensuite c'est un peu plus plat. Et on a les bords qui ressortent et du coup ça donne un élément un petit peu plus imposant. Et depuis ici, on a aussi la vue sur Vienne. Waouh! Je suis au niveau du Rathaus, donc de l'hôtel de ville. Et en fait, en été, il y a un festival. Et du coup, il y a plein de food trucks et on peut manger et ça va être trop bien. Et genre, il y a trop une atmosphère, c'est trop cool. Et du coup, t'as des stands de chaque pays. Action. Ah, trop bien! Ouais. Bah là, si on va. J'ai goûté une spécialité autrichienne qui s'appelle le Kaiserschwarm, qui est une espèce de pancake détruite, hyper bon. Et ensuite, il y avait le festival de musique. Donc voilà pour aujourd'hui. Je te retrouve demain pour ma dernière journée à Vienne. Et après, je vais dans une autre ville. Donc voilà, à demain. Bonne nuit. Je te filme tout mon interrail, donc je te donne rendez-vous tous les jours jusqu'au 30 septembre pour la suite de mon voyage.